1, 2, 3, triplé. À 3, on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie. À 3, on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises. À 3, on se chamaille très fort. À 3, on s'aime encore plus fort. À 3, on est plus craquants, les chouchous de maman. Et moi, n'oubliez pas. Tu viens de baigner, maman? Allez-y, les enfants. Moi, je vais profiter du soleil. Oui, youpi, allô, oui. 1, 2, 3. Est-ce que tes brassards sont assez gros pour ton poids? Sinon, c'est dangereux. Ce masque est aux normes pour la piscine, mais peut-être pas pour la mer, vérifie. Et vous restez près du bord, prudence. Près du bord? D'habitude, on nage jusqu'aux bouées. Oui, mais d'habitude, ce n'est pas moi qui vous surveille. Mais le drapeau est vert. Notre maman dit qu'on peut se baigner quand le drapeau est vert. Et la mer est toute plate. Justement, il faut se méfier de l'eau qui dort. Allons, les enfants, vous n'exagérez pas un peu? Ce maître nageur ne peut pas être aussi strict. Mais si, il ne nous laisse rien faire. Même sous l'eau, il nous empêcherait de nous amuser. La taille de ta remanta n'est pas réglementaire. Confisqué. Et alors? Il faut respecter le code de la mer. Priorité aux gros poissons. Arrêtez! C'est contre le règlement! Vitesse limitée! Interdit de doubler! Allons, les enfants, le maître nageur doit avoir ses raisons. Vous pouvez toujours jouer sur la plage. Mais nous, on voulait se baigner. Pas de trou trop profond sur la plage, on pourrait tomber. T'as bien regardé s'il n'y avait personne avant de te lancer? Les acrobaties, ça peut mal finir. Cerf-volant interdit, ça gêne la surveillance. Merci de garder la plage propre. Oui, je suis justement en train de... Montrez le bon exemple, madame. Vous avez raison, ce maître nageur en fait vraiment trop. On ne peut vraiment rien faire tranquille. On ne peut ni se baigner en paix, ni jouer comme on veut. On dirait qu'il voit tout. Comment il fait? Je sais, il a fait des tunnels sous le sable pour surveiller partout. Et il a un équipement d'espionnage ultra technologique, j'en suis sûre. Alerte bêtise. Avec un détecteur spécial pour que personne ne s'amuse sur la plage. Alerte sourire. Interdiction de s'amuser. Faut qu'on trouve une solution. On va pas rester là toute la journée sans rien faire. Je sais. Si l'un d'entre nous attire son attention, les deux autres pourront se baigner tranquilles. Oui, super idée. Alors c'est toi qui vas le faire. Mais allez, on le fera chacun son tour. Il est interdit de gêner la surveillance. Mais qu'est-ce qu'il manigance? Pas plus haut que les genoux. Oh non. Même sans son sifflet, on n'a pas la paix. Il ne s'arrêtera donc jamais. Vous trois là-bas, interdit. Et si jamais il emploie les grands moyens? Vous trois, interdit. Oh non, et s'il trouvait encore pire? Vous trois, interdit. On n'est pas des bandits, on veut juste s'amuser. Hé, regardez, Nico, le maître nageur de d'habitude, il est là. Pourquoi c'est pas lui qui nous surveille? Il est tellement gentil. Hein? On a déjà essayé. Ça n'a pas marché. Dis donc, toi là-bas.
Hey, toi aussi là-bas. Je vous ai déjà dit que c'était dangereux. Si tout le monde faisait comme vous, mais arrêtez, c'est contre le règlement. Non, mais non. Vous allez bien? Vous voulez que j'aille vous chercher un verre d'eau? Non, merci, ça va. C'est vrai, ça doit être fatigant pour vous de siffler et de crier tout le temps. Mais d'abord, pourquoi vous sifflez tellement? Vous nous interdisez tout! Ah bon? Vous trouvez? Alors qu'on risque rien puisque vous nous surveillez. C'est que c'est mon premier jour. Je tiens vraiment à ce que tout se passe bien. Mais j'ai peut-être été trop strict. Oui. Ouais. Ça doit être génial de tout voir de là-haut. Moi aussi, je rêvais d'y grimper quand j'avais ton âge. Tu veux y monter? Oh oui, merci. Attention, tu pourrais glisser. Ne vous inquiétez pas, c'est pas plus haut que nos lits superposés. Il n'y a pas d'équipement d'espion, en fait. Regarde, maman, là-bas. Je demande à Nico de me remplacer et on va se baigner tous les quatre, d'accord? Se baigner? Ah non! On est trop bien ici! Oh. On y va?